Paris rue d'Auteuil. Aujourd'hui, nous allons faire un petit cours sur l'argenterie. Alors, comme vous le savez, il existe deux qualités d'argenterie, soit l'argent massif, soit le métal argenté. Et je vais vous expliquer les différents poinçons et les manières de reconnaître l'un et l'autre. Alors, tout d'abord, l'argent massif, qui doit être poinçonné par ce poinçon, qui s'appelle la Minerve, et une tête de profil casquée. C'est un poinçon d'État qui doit être apposé sur tout ce qui est fabriqué en argent massif en France. Par exemple, voilà, on observe bien un poinçon carré à pans coupés aux quatre coins. Par opposition au métal argenté qui est souvent poinçonné d'un poinçon carré sans les pans coupés et qui n'est pas un poinçon d'état, c'est juste un poinçon que chaque fabricant appose sur ses objets. Vous avez une petite astuce pour essayer de déceler si votre pièce est en argent massif ou en métal argenté, c'est de bien scruter votre pièce et de chercher des points de désargenture, c'est-à-dire des endroits où l'argent est parti et laisse apparaître un métal plus jaune, qui est un alliage le plus souvent de maïchior, ou du cuivre, ou du bronze. Voilà. Si vous observez des points de désargenture, eh bien malheureusement pour vous, votre pièce n'est pas en argent massif, mais en métal argenté. Thank you.